Oui, il n'y a pas l'œuvre de Dieu, mais en voyant tout ce que les gens voient, vous me direz que non, les églises sont pleines. Chaque dimanche, nos riz sont presque pleines et nos avenues, non, ce n'est pas vrai. Et la plupart des hommes de Dieu ne savent pas qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. Personne n'a la conscience de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, aujourd'hui, c'est quoi? C'est remplir les gens, chanter, danser, quelques prophéties ici. Il y en a, bien sûr, quelques miracles, entre guillemets. Et c'est cela, l'œuvre de Dieu. Si l'œuvre de Dieu se résume par rapport à des foules, laissez-moi vous dire, les devins attirent autant de gens plus que d'autres églises. Laissez-moi vous dire, s'il y a un deuil, les gens sont pleins. Voyez-vous? D'autres manifestations, c'est parce que nous sommes à Kinshasa. Il y a autant de mois, oui, pas même une année, non, quelques mois, le pays a célébré les Jeux de la Francophonie. Les Jeux étaient pleins. Et que dire des meetings politiques où les salles sont pleins? Est-ce que c'est pour autant? Les gens qui remplissent les stades sont gagnés par celui ou celle qui fait son meeting. La réponse est non. Alors il en est même avec l'œuvre de Dieu. Quand je dis qu'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, premièrement, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. En voici la réponse. L'œuvre de Dieu est le salut de l'homme en particulier et de l'humanité en général. Partons de cette définition-là. Est-ce que ce que les gens font vise le salut des âmes? Où les gens remplissent les champs pour des aides. Aujourd'hui, les églises sont devenues des pègres, madame. Les églises sont devenues des clubs des gens. Et au-delà de ça, je dirais même des clubs tribaux. Oui. Donc, l'œuvre de Dieu étant le salut des âmes, en particulier et des hommes, d'une manière générale, celui qui prétend faire l'œuvre de Dieu n'a qu'à viser le salut des âmes. Maintenant, comment il faut sauver l'âme si on a mal cru? Mais vous déjà, suivez bien mon cheminement. La question qui m'a été posée, je le répète et je me répète pour la bonne et la meilleure compréhension. Pourquoi vous dites souvent qu'il n'y a pas l'œuvre de Dieu et pourtant nous voyons les églises qui se remplissent? Ma réponse est celle-ci. Oui, dans la forme, il y a l'œuvre de Dieu, dans les fonds, il n'y en a pas. Or, si les fonds et la forme ne se marient pas directement, tout tombe. Ok? Ça m'a poussé de vous définir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? J'ai dit ceci, que l'œuvre de Dieu était le salut des âmes et des hommes. Très bien. Comment faire pour que les gens soient sauvés? Nous ne résumons pas l'œuvre de Dieu par rapport aux gens, par rapport aux frères et sœurs qui remplissent nos églises, non. Non, 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 non. Quelqu'un peut avoir une âme, deux, trois. Si l'œuvre de Dieu est faite, Dieu agrée cela. Que c'est lui qui peut en avoir 1000 âmes ou 5000, voyez-vous? Très bien.